Bonjour, bien bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Chanel là. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une série vidéo que nous avons fait sur équation. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une vidéo qui est une résolution de système à deux inconnus. Côté que dans la première vidéo, nous allons résoudre un système à deux inconnus à l'aide de méthodes de substitution. Mais aujourd'hui, nous allons même travailler avec la méthode de combinaison linéaire. La méthode de combinaison linéaire là, c'est une méthode d'addition. Ok, mais comment vous faites pour résoudre un système à deux inconnus à l'aide de méthodes et méthodes de combinaison linéaire que nous appelons méthode d'addition. Donc voilà, là, considérons le système à deux équations et deux inconnus suivants. Le système ça, c'est en première équation, ça c'est en deuxième équation. Équation ça, premier bagage nous avons remarqué la donne, c'est une équation côté que coefficient x qui c'est 6, et ça, dans la deuxième équation, c'est moins 6, c'est deux nombres qui c'est deux nombres opposés. 6 avec moins 6, c'est deux nombres qui sont opposés, parce que opposé de 6, c'est moins 6. Il fait que là, 6x et moins 6x, c'est deux nombres opposés. Lorsque on a présenté notre système d'équation à des inconnus, et pour résoudre l'équation, on va passer par des combinaisons linéaires. C'est les mêmes qui permettent de résoudre l'équation beaucoup plus facile. Et méthode combinaison linéaire, qui ça lui permet de faire? Il permet de garder premièrement, est-ce qu'il y a une possibilité pour soit coefficient y opposé ou bien soit coefficient x ou même y opposé. Si y opposé, on a qui ça va le faire? Ou va rapprocher de telle sorte que ou va faire une addition. Mais addition ça, il va le faire selon quelques règles. Nous allons essayer d'y aller là. Ma première est encore qui c'est moins 6 x plus 2 y égal avec 12, et puis ça va être moins, c'est la moins, moins 6x, ou soit égal avec 8. Qui ça m'a fait là? M'a fait une addition. Addition, ça qui ça m'a fait? M'a additionné thème en x sur a pas, m'a additionné thème en y a pas, et puis m'a additionné thème constant a pas. On a vu même c'est qui ça? C'est 6x plus moins 6x plus 2y plus 3y égale avec c 12 plus 8. 6x plus, devant parenthèse là, tout le moins 6x. 2y plus 3y, ça va moins 5y. 12 plus 8, ça va moins 20. Plus 6x moins 6x, ça donne 0. La priorité qu'on a, c'est 5y égale avec 20. Là, on m'a divisé par 5 ou 2 membres, eh bien, y lui-même l'a égal avec 4. Maintenant, nous jouons la valeur de y. On a si nous jouons la valeur de y, on a substitué la valeur de y. Substituer la valeur de y, c'est prendre valeur y là, pour tenir dans n'importe quoi sur ça, on a joué le résultat. Nous allons aller là. Ma considéré l'équation 1, hein, qui c'est 6x plus 2y égale avec 12, ça équation 1. Hein. Ma poté la valeur de y qui c'est 4. Ma bien c'est 6x plus 2 égale avec 12. 6x plus 2 fois 4, ça va 8 égale avec 12. Ok? On y a la map ajouté opposé de 8 aux deux membres. On y a 6x égale avec c 12 moins 8. 6x égale avec 12 moins 8, ça donne 4. X égale. Pour me donner x qu'on y a là, il faut me diviser les deux membres par 6. D'abord, on sait 4 6, 4 sixième. X égale. 4 sixième là, nous, sa fraction, ça lui-même, n'est qu'à simplifier. Ok? Mais fraction, ça lui-même, n'est qu'à simplifier par 2. L'aime simplifier, et l'aime fait 4 divisé par 2. Et 4 divisé par 2, ça donne 2. Et 6 divisé par 2, ça donne 3. Ok? Ça va? X égale avec 2 tiers. Qu'on y a, mais, solution équation, c'est. Premier, solution équation, qu'on y a, nous, on a écrit solution équation, parce que nous jouons les deux valeurs. Les deux valeurs. Première valeur là, qui s'allie, c'est y égale avec 4. Et deuxième valeur là, c'est x même qui égale avec 2 tiers. Mais la solution du système. La solution du système est donc. Facile de point ça. Et donc, maintenant, on va ajouter la valeur de x, x égale avec 2 tiers. Ok, x égale avec 2 tiers, virgule,
y égale avec 4. Voilà. Quand nous allons passer dans l'autre exercice, nous allons passer dans l'autre exercice, côté que nous allons passer par même combinaison linéaire pour nous résoudre un système à deux inconnus, mais fois ça, nous garder pour nous si ce n'est pas par y que nous allons éliminer y. Là, nous allons éliminer x, nous allons éliminer y dans l'autre forme. Nous allons. Ok, Kounia. Ok, nous tournons avec l'exercice là. C'est 7x moins 2y égale avec 8. Et puis 3x plus 4y égale à 18. Il m'a demandé pour nous joindre et solution et système d'équation ça. Et j'ai noté tout à l'heure. Dans ce que nous avons résolu là, nous avons comparé valeur x. Nous avons opposé. Laissez nous passer par méthode d'addition, méthode combinaison linéaire. Et puis, nous avons comparé et puis nous avons fait somme. Côté que nous avons éliminé x. L'éliminer x, on a nous joindre équation en fonction de y. Quand là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler de telle sorte que nous éliminer y et pour nous joindre équation en fonction de x. On a nous allons regarder coefficient y. Coefficient y là, c'est moins 2. Et coefficient ça là, c'est plus 4. On a comment on va le faire là pour éliminer, pour annuler y pendant ce temps, on va gagner même coefficient. Mais pour me faire ça là, je vais remarquer que là, je moins 2, là, je 4. Mais si je vais remarquer moins 4 là, si je vais remarquer moins 4 là, bien sûr, et là, je plus 4, là, je vais remarquer que là, l'ivine, c'est deux nombres qui opposent. Et lorsque vous opposez, il y a annulé. Mais pas que moi, je vais remarquer moins 4 là. On a pour me moins 4 là, il faut multiplier l'équation 2 à part par 2. On a multiplié toute l'équation 2 à part 2. Ok? Et la première étape là, c'est en multipliant. En multipliant la première équation par 2. Mais première équation, on va mettre tout 2 devant et vous mettez 7x moins y égale avec 8. Ok, 2a, voilà, il me dit en multipliant la première équation par 2. Mais 2 a multiplié par la première équation. Ok, là, même 2 par 7, il va moins 14. 14x moins 2 par 4, 2 par 2, il va moins 4y égale avec 16. Ok, ça me vient une nouvelle équation. Ok, nouvelle équation, ça c'est même considéré comme équation 1. Parce que pas oublier, dans la première vidéo, je me suis parlé sur équation, je me dis que depuis que vous avez une équation, vous multipliez le premier membre, ni le deuxième membre. Pas même nombre, mais équation pas besoin de changer. Qui veut dire que ça c'est deux équations qui sont même nombre, mais seulement multiplier ça par deux. Quand on a là, et je viens une équation ça là qui vient présenter moins 4y. Ok, et là, je viens plus 4y. Ce qui ne fait que coefficient ou là, ils viennent opposer. Mais puisque coefficient ou même opposé, mais il y a annulé. On va comparer tous les deux. Je viens c'est 4x, 14x moins 4y égale avec 16 pour équation 1. Venez. Avec équation 2 qui c'est 3x plus 4y égale avec 18. Équation 2. Après, c'est méthode d'addition. Ou bien combinaison linéaire, ma fait addition, c'est 14. X plus 3x moins 4y plus 4y égale avec 16 plus 18. 14x plus 3y ça donne 17x. Moins 4y plus 4y ça annule. Là, j'ai moins 4y plus 4y, là, bon, moins 0, il est annulé. 16 plus 18 ça donne 34. On a la 17x égale à 34. Je vais diviser les deux membres par 17. On a x à bon moins 34 à diviser par 17. Lorsque je gagne 34, lorsque je gagne 34 à diviser par 17, on a la bon moins 2. X égale avec 2. On a maintenant je gagne la valeur de x. X égale avec 2. On a la valeur de y. Je vais apporter la valeur x à la soit non. Première équation ici, soit m'pote la valeur de x en deuxième équation, quelle n'importe là, puis je vérifie. Un mais on allez. Ok,
C'est-à-dire, trouvons Y. Pour me jouer Y, je vais partir de la valeur de X, considérer 7X. Moi, je suis Y. Égal avec 8. C'est équation 1. Hein? Ok. Je vais porter la valeur de Y. Qui ça et vraiment porter la valeur de X ici pour gagner la valeur de Y, c'est 7. La valeur de X c'était 2. Ok. Ça donne 14. Oh, ajoutons opposé de 14 ou de même. On a bien montré ça. Moins 2 Y égale avec C8. Moins 14. Moins 2 Y. 8 moins 14, ça donne moins 6. Ok. On a là. Je vais multiplier l'équation par moins 1. Multiplions par moins 1. On a dit aux deux membres. On a la vie même qui ça, c'est moins 1. Je vais multiplier par tout moins 2 égale avec moins 6. Mais là, je prends moins 1, je ne m'explique pas tout ça. Moins 1 par moins 2y, ça va 2y. Moins 1 par moins 6, ça donne 6. Ok, on a 2y égale avec 6, je divise par 2 ou 2 m'ab. On a y avec nous, c'est 6 divisé par 2. Et, ouais, 6 divisé par 2, ça donne 3. Ok, on a qui ça va le faire. Nous allons écrire la solution de l'équation. On est assez aussi simple. Nous avons un jeune résultat et système. Non? On a dit. La solution du système ok hein? X égale avec déjà là X égale avec 2 ok virgule et puis Y égale avec 3. Vous voyez c'est aussi facile pour faire méthode de combinaison linéaire. Une autre pour essayer de garder la méthode combinaison linéaire, c'est garder pour si coefficient même pas opposé. Si vous pas opposé, est-ce qu'on a fait une astuce de calcul pour faire opposé? Même si nous avons fait le tas là, nous prenons la première équation, nous multiplions par 2. La première équation, ça va multiplier par 2, qui fait que là, nous venons joindre moins 4y. Or que avec la première équation qui c'est plus 4y, qui fait que vous venez opposer. Mais puisque vous venez opposer, nous avons remarqué que nous avons nous là moins 4y. Plus 4y, il va nous 0, mais l'annuler, on a nous vu seulement une équation qui est en fonction de, une équation qui est en fonction de x. Mais puisque l'équation est en fonction de x, c'est facile pour résoudre, nous résoudre, et puis nous porter et valeur x dans la première équation, quand ça tombe dans la deuxième équation, on a toujours le même résultat. Mais nous avons toujours vérifié, et nous avons fait une vérification. Vérifions, ok, pour x égale avec 2, et puis y égale avec 3. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a posé la valeur de A dans l'équation première. On a posé l'équation première là. C'est 7x moins 2y égale avec 8. Valeur x c'est 2, c'est 7 facteur de 2 moins 2. Valeur y c'est 3, c'est égal là. Ok, valeur y c'est 3 égale avec 8. 7 fois 2, 14. Ou là, moins 2 par 3, ça donne 6. Est-ce qu'on a là, la égale avec 8? Je suppose de mettre là comme ça. Est-ce que la vie égale à 8? Vous connaissez la vérifier. 14 moins 6, ça donne 8. 14 moins 6, ça donne 8. Mais 8 qu'on y a, 8 égale avec 8. Ouais. C'est simple. Et bon bagaille tout. L'on vérifie pour première, on suppose vérifier pour deuxième dans tout. Nous allons vérifier pour deuxième. Non. Deuxième équation, c'est qui ça? C'est 3x plus 4y égale avec 18. La valeur de x c'est 2. Mais 3. 2 plus. La valeur de y, c'est 3. Égale avec 18. 3 par 2, ça donne 6. Plus 4 par 3, ça donne 12. Est-ce que l'égal avec 18? Non, mais 6 plus 12, ça donne 18. Non, mais 18 égale avec 18. Voilà. Il vérifie ni pour première équation, ni pour deuxième équation. Et puisque valeur m'jeune pour x avec y, il vérifie ni pour première équation, ni pour seconde équation, mais il c'est solution système. Non. Et c'est extrêmement facile. Qu'on y a là, et j'en ai toujours travaillé. Nous allons mettre un petit challenge pour vous. On va résoudre le challenge. Hein, et puis on va mettre les résultats dans les commentaires pour nous. Nous allons aller.
OK, nous tourner, pas oublier, c'est comme ça nous toujours fait. Dans chaque fin vidéo, nous toujours mettons challenge pour même résoudre et puis pour commenter dans commentaire pour nous. Résoudre le système à deux variables, 1.25 plus 3.25 y égale à 15.5, 1.5x plus 2.75 y égale à 14. Ou après résoudre challenge ça, ou après mettre résultat pour moi dans commentaire s'il vous plaît. Si vous pas comprendre nos bagages, mettez le dans commentaire et pas oublier abonner avec channel là. OK, pas oublier abonner avec channel là. Et puis partagez-le avec Zamiou. Et puis, pensez que comme ça nous-mêmes n'avons pas avancé. Ciao, ciao.